des compatriotes. Compatriotes. On pensait avoir tout vu. On pensait avoir tout lu. On pensait que le diable avait eu honte, que la calomnie était sortie de sa tombe. Hélas, sur une bombe humaine, on a marché puis on est prêt à faire sauter le toit de la maison de notre football. Hideux, répugnant, souillant, honteux, déshonorant. On pensait avoir tout vu, mettons-nous à nu. On pensait avoir tout lu, mettons-nous à nu. On pensait avoir tout vu, mettons-nous à nu. On pensait avoir tout lu, mettons-nous à nu. Manque de classe dans une bataille de chiffonniers entre un tollé de tolo et un étau à l'étroit d'un étau. Complot? Bras de fer? Choc d'égo se rencontre au centre-ville, flottant d'un drapeau sur un mât bâti à coups d'espoir, loin des bureaux moustachus des archéologues et professeurs. Ich, c'est laid et sale. This country is for sale. Les notifications se succèdent au même titre que les hautes instructions. Haute intrusion. Quand les éléphants se battent, les arbres subissent la destruction. Le diable a eu honte, disaient les chrétiens, oubliant que même le Belzébuth attendait dimanche après la messe des églisiens pour crier l'affrontement devant la maison du colon. Il tonne. Ça tire fort entre les églisiens et les hiboux qui ont ragé jusqu'à la moelle, ont brisé tous les liens de combi. On pensait avoir tout vu, mettons-nous à nu. On pensait avoir tout lu, mettons-nous à nu. On pensait avoir tout vu, mettons-nous à nu. On pensait avoir tout lu, mettons-nous à nu. Les clandières, devenus des grands fiers, qui s'affrontent à ciel ouvert, sous les likes et commentaires d'un peuple assoiffé de courant, d'eau, de pain, mais réfugié dans le vin. On va boire. Waouh. Du coup de tête des 90, aux arrêts impeccables des Jeux Olympiques, on pensait que nos fils avaient compris la notion. Cameroun. Tu es la tombe où dorment nos pères, le jardin que nos aïeux ont cultivé. Nous travaillons pour te rendre prospère, un beau jour enfin nous serons arrivés. Mais hélas, dépourvus de honte, millions dans les comptes, les lourds revêtent les masques de Noumengui pour exprimer leur testostérone. La nation noire, la plus titrée du football, dont l'ivresse de sang pisse sur la terre de Mbappé Lépé, Théophile Abega, Jean-Pierre Akono, Roger Mila. La paix est bien. De l'Afrique soit fille dès l'enfant et progresse toujours en paix, espérant que tes jeunes enfants t'aimeront sans bon à jamais. On a qu'un seul Cameroun. Rendez tous compte. On a un seul Cameroun. Préservons-le. On a un seul Cameroun. Préservons-le. Vision Pro. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngousso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportage vidéo et photo des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, au quartier Ngousso, en face de la station Total. En allant vers la chapelle, numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.